Nous sommes là! Nous sommes là! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui, les amis, du retour sur Warzone 2, la Battle Royale de Call of Duty MW2! Ouais, on pourrait faire mieux. On peut faire mieux, mais nous sommes là. Petite session en solo. Let's go! Vous les Blooks, vous restez là. Regarde, je vous. Baisse les yeux. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je crois bien ça, ouais. Allez, go, on y va. Alors, il y a un endroit que j'aime bien aller. C'est le dôme. Voilà, donc on va aller au dôme. Let's go. Ok. Je suis un peu plus loin que ce que je voulais être. Et on va commencer à aller au dôme. Il y a une petite prime derrière. Ouh. Quoi? Bah, on commence. Commence plutôt bien équipé. Mais en vrai, ça commence fort. Je pourrais même acheter une arme. Je pourrais même acheter ma petite M4. Yes. Allez, let's go. Ok. Ouais, il aurait pu faire un peu plus de sous. Ouais, en vrai, s'il y a le snipe... ça peut se prendre. Elle est pas mal cette petite M4. Hein. Bon, on sait qu'il y a quelqu'un là-dedans. Et vu que ça a été loot, je pense pas qu'il reste dans le coin. Elles sont loin, puis j'ai déjà ma M4 en vrai, ça va. Il y a juste les atouts à la limite, mais... On sent pas cette nécessité d'atout comme sur Warzone 1. Bon bah le gars qui avait là, je sais qu'il s'est pris mon truc mais je l'ai jamais vu sortir. Bon bah écoute, on va y prendre la prime. Elle est pas mal cette M4 hein. Elle est vraiment, c'est classique. C'est un petit classique qui fait plaisir. Et tu vois, t'es obligé de les ping, il te dit même pas si elles sont en haut ou en bas. Je crois que c'est celui que j'ai vu tout à l'heure, non? Ah, le quad s'arrête. Il y a mon ombre en bas qui me perturbe un peu, j'ai l'impression que c'est quelqu'un à chaque fois. Mais il est où lui? What? Et comment il a fait pour être si loin? Ok. Ouais, non, mais... Je me serais dit comme s'il avait pris un comment ça s'appelle, un... Le train ou le trap, comment c'était? Ah mais c'est lui en fait, d'accord, ok. Prime volée. Bon tant mieux parce que... Il manque Ikiné, ça s'essaye hein. Il faut c'est apprendre au niveau du snipe la vitesse de balle, la retombée. Il n'y a pas trop de retombée. Oula, mais c'est qu'il y a du monde là. Ah, j'entends tirer. En vrai, on est trop bien là-haut. Hein. Il y a peu de chances qu'il nous arrive un truc, quoi. Je le sens comme ça, je me sens en sécurité. Et je me sens comme si j'avais l'envie de faire un kill de loin, tu vois. En tout cas, d'essayer. Parce que c'est ça, en fait, l'idée. Qui dit... Nouveau snipe, c'est... Je l'ai touché! Oula!
Oh, je le craque, t'es sérieux? Allez, caray. J'ai beaucoup de balles, mais ça vaut le coup d'essayer. Elle est jolie quand même, la map. Y'a pas à dire. Ah. Bon, bah j'ai plus de balles. La dernière. Par contre, j'ai fait un bouc en monstre. Je suis étonné qu'il y ait personne qui soit là en train d'essayer de me tirer dessus. Bon, j'ai touché un petit peu des gens, mais... Mais il y a un truc bizarre. T'as vu, quand tu touches un gars, quand il est loin, t'as le bruit du hit assez tard. Véhicule neutralisé, t'es sérieux? Bon, allez. Évasion imminente? For real? Largage tactique. Oh yes. C'est pas loin. On va aller prendre son petit snipe. Le seul truc, il n'y a pas d'atout. Donc par exemple, là, je prends mon snipe. J'ai même pas genre chargé à bloc. C'est un peu con, je trouve. Normalement, il y a encore une caisse là, non? Si je me trompe pas, la caisse, tout le monde peut la prendre. Hein. Bon, on est pas trop mal, on a nos armes. Pas beaucoup de kills, mais bon, c'est vrai que des fois, j'ai l'impression... Peut-être parce que les gens connaissent pas assez la map, va savoir, mais... J'ai l'impression que c'est... Sauf c'est en équipe, mais en solo, pour faire beaucoup de kills, c'est pas non plus le mode, quoi. Mais après, bon, tous les jeux ne sont pas forcément destinés à être des jeux à slay, quoi. Il y en a qui aiment bien ce côté, justement, un peu chill. Je disais bien qu'il y avait du cafard dans le coin. Oh, du cafard, dit-il le mec sur le toit. En même temps, je vois personne, faut bien que je prenne un spot. Ouh. Ça traverse les murs, les balles, hein. Tu as vu ça? C'était pas mal. J'ai déjà 3 autoréas, je pense que ça va suffire. Mais le truc, c'est que je comprends pas. Sac à dos ennemi, des fois ils ont des grands sacs à dos, je sais pas comment on les prend. Peut-être à côté. Ok, goulag fermé. Ok. J'irai bien au shop, mais. J'ai comme le sentiment que. Je vais aller au shop, mais j'ai entendu un tir à côté, mais je voulais prendre un drone.
Ok. R2. Il y a un gars dans le coin. Where are you? Where are you? Yo. What's up, bro? Yeah, what's up? Yeah, what's up? What's up? Are you French, bro? Yes. Yes. Comment ça va? Eh, ça va super bien, et toi? Ça va. D'où viens-tu? Tu veux mourir? Tu veux mourir? Non. Ah, moi non plus. Ah, moi non plus. Tu respires vachement fort quand même. Service, bro? Oh, my mic's close to my mouth, that's why. Ah, ok. C'est trop bon ce truc de chat de proxy. Je sais qu'il est dans le coin, je crois qu'il est dans cette baraque là. Si j'entends une fenêtre, c'est peut-être à l'heure. Oh, that was you! Yes! Je l'ai pas vu. Ah, le gaz. Le gaz pardonne pas. Mais. La game était quand même sympa. C'est trop cool le chat de proximité quand tu parles avec les gens comme ça. J'étais à combien de kills Je sais pas. J'étais à 8 kills. Non, oui, 8 kills. Et le gaz, il fait mal. Et en plus, je voulais jeter ma frappe. Et malheureusement, j'ai pas pu. Bien joué à lui. Ah, la Sakine, elle fait mal. Hein. Non, c'est l'Icarus. Ah, c'est pareil. Bon, il est à 9 frags. 10 kills. Le top 1. GG. GG. Aïe, elle était sympa la game. Première game en solo. Ça va. Te la raconte pas, toi. Ton shooter, raconte-la, toi. Bah là c'était pas injurieux effectivement, parce que des fois tu peux tomber sur des gars qui t'insultent gratos, ce qui est pas toujours cool, tu vois. En vrai, l'idée c'est d'essayer de trouver ses marques, de pas arriver sur Al-Mazra en disant tiens on va jouer comme sur Caldera ou sur Verdansk. C'est différent. Donc pour trouver ses marques, il faut tester différents types de gameplay pour voir lequel marche le mieux.